Salut à tous, c'est Frabig. Aujourd'hui nous sommes sur GTA V pour que je vous présente un gameplay. Donc sur Xbox 360, donc en live commentary. J'ai déjà posté un gameplay de la première mission en face commentary pour la première fois. Donc soyez un peu indulgents s'il vous plaît, parce que c'est mon premier. Bon, apparemment il a bien été aimé. Et voilà, donc là c'est la suite. Donc j'arrête de parler quand il y a des cinématiques. You guys all right? Fuck! Come on! Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan! What? Stick to the fucking plan! Come on! Where the fuck's the chopper? Fuck! 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 I'm gonna check around back. Ah! Oh, the fucking bed! Someone must have fucking talked! All right, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. Out of here! Oh, Jesus! T, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna be... I'm fucking gonna bleed out! Go! No! Die, you... Oh, c'est émouvant déjà. Si vous avez pas vu mon gameplay, il sera dans la description. Et voilà. Donc il y a rien de spécial à dire d'autre. Voilà, il y a plein de gens, par exemple je l'ai déjà dit mais je m'en répète encore. Il y a plein de gens qui critiquent les graphismes et je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Donc, dès que vous pouvez tester le jeu, vous allez voir c'est vraiment un truc de dingue. Voilà. Putain, les explosions sont bien faites quand même. Mais il y a trop de flics là. Headshot. Et à chaque fois que vous tuez quelqu'un, il y a un petit flash sur votre écran comme quoi vous l'avez tué. Bon, encore une cinématique. En fait, il y a plein de petites cinématiques comme ça. C'est assez stylé, donc je vais arrêter de parler. Donc là apparemment c'était il y a 9 ans. Donc là ce qu'on est en train de voir ici, c'était ce qui avait marqué au tout début quand vous lancez le jeu. Et voilà, donc pour l'instant je peux pas jouer en ligne. Bon, encore une longue cinématique, je vous laisse. Not always a good citizen. He did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord was crucified with two. Perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael was like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend. Vraiment stylé quand même la cinématique de début. Donc je crois qu'il y a encore une autre cinématique. Donc comme ça vous pouvez voir le début de GTA V. Attendez un peu. Ouais, voilà, encore une cinématique, je vous laisse. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for.
Same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. Actually, yeah. That house right there with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Donc là, c'est la fin de la cinématique. Je trouvais ça vraiment très marrant comme quoi c'était légal et tout ça. Bon, on va piquer des voitures d'une grosse baraque, donc avec une Audi R8. Hop, on la pique. You always was old choosy motherfucker. Oh, you balling hard with the drop top, huh? Avec toi électrique, c'est vraiment trop frais. Donc je ferai des lives, bon après je sais pas où, peut-être sur Twitch, mais vu que je viens de me faire ban, peut-être sur Ustream ou sur Twitchcam, etc. Regardez, c'est vraiment magnifique. Donc je ferai cette vidéo en deux parties. Voilà, donc là on fait la fin de cette mission. Et après je posterai une autre vidéo pour vous faire un peu découvrir la map, etc. Là c'est juste pour vous montrer les cinématiques, pour voir un peu l'histoire, etc. Bon, je vous rappelle, si vous ne voulez pas être spoilé, ne regardez pas cette vidéo, hein. Donc voilà. Donc chaque personnage a une compétence spéciale. Par exemple, vous appuyez sur les deux joysticks et hop, ça fait un ralenti. Vous pouvez mieux contrôler votre véhicule. Donc c'est très pratique s'il y a des flics, etc. Donc là, en plus, les voitures sont vraiment hyper belles. C'est un truc de malade. Oh. Attendez, j'ai un peu foiré. Là. Donc voilà, après, vous devez rouler en contresens, faire des sauts, etc. pour améliorer votre compétence. Donc vous pouvez améliorer vos capacités spéciales. Et comme ça, ça dure plus longtemps, etc. Donc là, c'est chargé à fond. Hop, je fais un petit ralenti. Et voilà. J'ai foncé sur le mec, à moins que... Oh putain! Je l'ai écrasé comme un malade. Oh merde, ça fait tourner. Je trouve qu'elle est vraiment bien faite, l'Audi R8. Avec les petits 4 roues motrices. Le logo 4 roues motrices de Audi, mais à moitié. Oh là. Faut vraiment que j'apprenne à conduire, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué.
Ah voilà, on peut contrôler le véhicule en plein vol pour pas qu'il parte en, en couille. C'est vraiment bien fait, je trouve. Ouais. Donc là, c'est une petite présentation de la map, vite fait. J'ai entendu dire que la map serait deux fois plus grande que Skyrim. Bon, c'est peut-être des rumeurs. Bah, je vais vous le dire ça dans la prochaine vidéo. Bon, attendez, si j'appuie sur Start, ça fait quoi? Ah, voilà, on voit pas toute la carte. En fait, vous découvrez la map au fur et à mesure. C'est pas une carte tous déjà faite. Il faut tout découvrir, etc. Ce que je trouve vraiment bien fait. Attends, mais le graphisme, c'est vraiment un truc de malade. Hein. Donc, ça n'a pas été encore confirmé sur Xbox One ni PS4. Un peu dommage. On verra bien après. En plus, ils ont vraiment fait un effort au niveau de la modélisation des véhicules. C'est magnifique. Juste, oh là, je suis vraiment sous le choc. Carrément, sous le choc. Putain, ils font chier avec leurs véhicules de merde, là. Mais là, vous pouvez lire les trucs qui est en haut à gauche. Ça vous permet de voir ce qu'il y a. Donc voilà, petite cinématique encore. Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit, my ass. Alors là, le but, c'est d'échapper aux flics. Normal. Vite, on se casse. Donc, j'ai combien d'étoiles? 2. Bon, ça devrait aller. Je pense que si j'accélère dans une rue, je me casse. Voilà, je suis déjà en clignotant. Je vais tourner à droite. Hop là. Je me casse. Et non, moi je devrais plus avoir d'étoiles d'ici pas longtemps. Donc je crois que c'est bientôt la fin de la mission. Oh putain, merde. Encore un flic. Ma voiture est vraiment défoncée, c'est un truc de malade. Allez là, enlevez les étoiles. Putain, il y a des flics partout. Ah, ça. Oh, je suis à côté de la concession. Donc voilà, dès que la fin de la mission, j'arrête la vidéo. Et n'hésitez pas à regarder d'ici quelques temps mon nouveau gameplay. Ah, c'est quoi comme voiture, ça? Ah, ils ont copié Audi. Audi TT. Bon, pas le devant, mais le derrière, regardez. Ouais, à peu près. Ouais, non. Ouais, moyen. Juste l'effort, en fait. C'est énorme. Donc, il y a 3 voitures les mêmes à côté. Donc là, on rentre dans la concession. Voilà. Re-cinématique. Je vous laisse. I don't get you, bro. You are a racist and I don't like you. And I will not sell you this card. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Hey, you are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this. When he real to me, he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon. I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. Ah voilà, succès déverrouillé. Donc je trouve que c'est vraiment bien fait. Tu vois, il n'y a pas de chargement vu qu'on installe le jeu direct. Donc en fait, il y a les cinématiques et hop, on peut jouer direct. Ce qui est pas mal. Oh, attends, je vous montre un peu les véhicules qu'il y a. Chaque personnage jouable dispose d'un véhicule unique. Waouh. Pas mal. Pas mal du tout même. Vous pouvez télécharger l'application eFruit sur votre smartphone ou tablette afin d'enrichir votre expérience de jeu. Vous pouvez apprendre des tours à shop ou modifier votre véhicule. Quoi? eFruit?
Maintenez bas pour voir les compétences de Franklin. Les compétences des personnages déjà atteints s'améliorent progressivement en réalisant diverses actions, en prenant à part à des hobbies, pardon, pas lobby, et passe-temps à Los Santos. Puis ils se perfectionnent, puis ils réalisent efficacement les tâches associées. Apnée, conduite, pilotage, discrétion, force, tir, endurance, spécial. Ouais, mais c'est quoi le spécial? Ah oui, c'est le truc au ralenti. Wow, elle est vraiment bien la voiture. Je sais après si on peut la tuner, c'est vraiment nickel. Donc voilà, c'est ça ce qui s'achève le gameplay. Je posterai un autre gameplay bien sûr d'ici pas longtemps. Allez, c'était Frabig, bisous tout le monde.